Alors, je tiens à dire d'abord que le chantier de l'économie sociale a choisi un collaborateur qui est l'Institut du Nouveau Monde pour publier ce livre, éditer les textes du sommet, de ce qui était ressorti du sommet, puis un peu faire l'histoire de l'économie sociale depuis le sommet de 1996 jusqu'à celui qui nous était propre de 2006. Les engagements, la passion des êtres, des hommes et des femmes qui ont construit l'économie sociale bien avant 1996, mais qui, à partir de 1996, en ont fait un véritable mouvement qu'on a vu éclore au moment du sommet de novembre 1996. Alors, pour que tout ce que nous avons fait depuis 10 ans et même avant ne se perde pas, mais aussi pour qu'on se rappelle pourquoi, encore une fois, on est ici ce soir et qu'on sera ailleurs demain, mais toujours dans le cœur de l'économie sociale, on a préparé une petite vidéo qui va donner le ton et qui va rappeler, j'espère, à plusieurs, de très beaux souvenirs et qui va continuer à nous porter encore longtemps. Alors, on m'a demandé de vous faire la lecture du livre. Mais j'ai refusé. Vous savez, pour moi, un livre comme celui-là, sur un événement comme celui qu'on a vécu il y a un peu plus d'un an seulement, c'est une façon de le faire vivre encore. Et si j'ai une préoccupation, puis je pense que je peux parler au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration du chantier, c'est bien celle que l'événement qu'on a vécu en novembre 2006, comme l'événement qu'on avait vécu, certains et plusieurs d'entre nous de plus loin, en 96, bien, qui continue à vivre. Et donc, ce livre-là se veut une façon de le partager avec ceux qui étaient absents et ceux qui vont continuer à prendre la relève du développement de l'économie sociale au Québec. Alors, qu'on ait cet ouvrage-là comme un témoin de ce grand moment qu'on a vécu ensemble, mais surtout comme un gage d'avenir pour le développement de l'économie sociale. À nous, longue vie au sommet, c'est notre responsabilité maintenant de faire vivre ce sommet-là encore dans nos milieux. Alors, on compte sur nous. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce livre et c'est avec beaucoup de fierté que je le vois apparaître aujourd'hui sur vos tables et demain en librairie. Mais cet ouvrage, je le disais il y a 2 secondes, c'est pas l'ouvrage de l'INM, c'est l'ouvrage du chantier, c'est l'ouvrage du mouvement de l'économie sociale. La première raison pour laquelle je suis si fier de cet ouvrage, c'est parce que c'est un témoignage, mais c'est le témoignage du labeur de milliers d'hommes et de femmes partout sur le territoire du Québec qui ont changé les choses, qui ont changé le monde chez eux. Et c'est ce qui est le plus porteur, je pense, à la fois du livre, mais du mouvement. Et le souhait que j'ai déjà exprimé dans une chronique, c'était que les règles de l'économie sociale deviennent un jour les règles de l'économie tout court. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi en faisant ce livre, de réaliser que l'économie sociale, que le mouvement qui était en train de se solidifier, était maintenant un mouvement qui avait de grandes ambitions. Et c'est un mouvement qui n'aura d'avenir que s'il n'a que de grandes ambitions. Et c'est ce que je lui souhaite et ce que je nous souhaite de tout cœur. Nous avons fait ce livre avec 2 buts en tête. Le premier, c'est de donner envie à ceux qui ne connaissent pas l'économie sociale d'y adhérer. Et le deuxième, c'est de vous donner à vous la fierté de ce que vous avez fait et le goût d'aller plus loin. Merci beaucoup. On a fait un sommet qui a mobilisé des gens à travers le Québec. Ça a mobilisé autant des acteurs dans différents secteurs d'activité, des gens dans les grands mouvements sociaux, dans les syndicats, ça a mobilisé des acteurs régionaux, des acteurs locaux, autour non seulement du bilan, mais surtout des pistes d'action. Comment on allait continuer à développer l'économie sociale et comment l'économie sociale allait continuer à contribuer au développement de nos collectivités à travers le Québec. On a pris des engagements par rapport à la consolidation de secteurs existants, que ce soit en aide domestique,
ça soit dans les CPE, dans l'habitation, on y travaille. On a identifié au moment du sommet qu'il y avait des parties de la population qu'on avait moins rejoint dans les derniers 10 ans, que ce soit les gens des Premières Nations, les personnes, les nouveaux arrivants, personnes issues de l'immigration, ça aussi déjà des initiatives. On travaille sur la question de la relève, c'était un enjeu avec les jeunes et des jeunes qui sont ici. On a un comité de jeunesse qui ont plein de projets. On a parlé de l'importance de mondialiser la solidarité. Évidemment, il y a énormément de choses qui se font au niveau international et on aura des belles annonces à faire dans les prochains mois. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est en action. On rappelle aussi que quand le premier ministre est venu au sommet, un engagement qu'il lui a pris, puis il a tenu parole, c'est de nous trouver un ministère qui allait nous accompagner et qui allait nous soutenir dans la mise mise au jeu puis dans le développement de toutes ces pistes d'action. Alors, on est extrêmement contents de pouvoir, sous votre responsabilité, au ministère des Affaires municipales et des régions, de collaborer avec vos fonctionnaires, avec votre cabinet, avec vous, parce qu'on a beaucoup de projets pour le Québec, pour toutes les régions du Québec. Avant de vous prendre la parole, on voulait, en tout cas, si vous pouvez venir, j'avais quelque chose à vous remettre. Nous avons adopté à l'unanimité, on l'a fait laminer. Il y en a plusieurs de vous qui l'ont sur vos murs. Alors, Madame Normando, peut-être sur un des murs dans votre bureau aussi, la déclaration de l'économie sociale et solidaire du sommet de 2006. Et merci beaucoup parce que vous avez une grande responsabilité là-dedans. Merci beaucoup, Nancy. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Je tenais absolument à être des vôtres pour cet événement spécial qui vous a permis ensemble de célébrer une autre étape des actions que livre le chantier de l'économie sociale, qui est celui donc de cet nouvel ouvrage qui, sincèrement, je le souhaite, deviendra un outil indispensable. Parce qu'il nous manque au Québec, malgré l'ensemble des réalisations en matière d'économie sociale, c'est un ouvrage de référence qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'économie sociale, parce que vous êtes des experts en la matière, mais il faut encore expliquer ce que c'est, le démystifier, ce que c'est l'économie sociale, mais je pense que ça va devenir un ouvrage qui va aussi nous permettre de bien mesurer ce que représente l'économie sociale dans nos communautés, dans nos régions, dans nos vies et assurément dans notre économie. Et sincèrement, ma volonté à partir de ce soir, avec la déclaration qui m'a été remise, c'est assurément de travailler sans relâche pour faire rayonner l'économie sociale dans la vie de milliers de Québécois, mais aussi dans la vie, donc, de nos communautés, de nos régions. Et j'en prends la responsabilité personnelle. Compte tenu de toute la détermination qui vous anime, je pense que le minimum de responsabilité et d'engagement que je peux manifester ce soir, c'est assurément de vous accompagner dans vos rêves les plus fous. Alors, en terminant, vraiment, je voudrais simplement vous livrer un très grand message d'appréciation, vous dire que j'espère pour vous une ministre dévouée. J'espère que je serai là pour livrer la marchandise, parce que j'ai dit à Robert Sauvé tantôt, Nancy a déjà des commandes de placer au ministère. Maintenant, il faut livrer la marchandise. On n'a pas l'intention de se défiler de nos responsabilités. Alors, vraiment, c'est une belle grande famille là que vous représentez ce soir, puis j'ai très hâte de travailler avec vous pour qu'on puisse faire avancer cette belle cause qui vous anime, puis qui nous rend sincèrement meilleurs et un peu plus heureux. Alors, merci à tous et bonne soirée.